L'illusion selon laquelle la vie humaine ou la vie de tout être vivant pourrait se ramener à une approche tout génome, d'emblée a été une illusion, a été une méconnaissance. Au mieux, ce que l'on pensait à l'époque, était que ce génome portait le programme des propriétés des organismes vivants. Mais une propriété n'est pas un destin. Le destin est le résultat de la rencontre entre un être, même un objet, qui a des propriétés et un environnement qui, lui, n'est pas déterminé, n'est pas génétiquement déterminé. Et donc, on a simplement oublié cet élément-là. À partir du génome, toujours on a pu espérer, ça reste vrai, on a pu espérer savoir beaucoup des maladies à composantes génétiques fortes auxquelles on était prédestinés, mais les gens qui étaient censés, moi je l'ai dit d'emblée, n'ont jamais pensé que l'on pouvait en tirer comme information quelle religion on allait embrasser, les opinions politiques pour lesquelles on manifesterait de la préférence, dans l'immense majorité des cas, quel serait son penchant, son comportement sexuel, ni même quels seraient ses goûts de différents types. Tout simplement parce que cela est le résultat entre cet être vivant particulier qui est un être humain, une personne humaine, et la grande aventure de la vie, qui forge alors un destin. Ce que l'on a appris depuis ce programme génome, c'est que non seulement, bien évidemment, on n'aurait jamais dû dire, car jamais cela n'a été plausible, que le génome était le grand livre de la vie, comme Gilbert l'a avancé, mais encore, il n'est pas seul en charge du programme de l'exécution des propriétés des êtres vivants, des cellules vivantes. Les gènes fonctionnent en permanence en fonction de senseurs qui reconnaissent l'environnement. C'est un manchon de protéines qui subit l'empreinte de l'environnement et qui, en fonction de cette empreinte, modifie, et des fois durablement sur quelques générations, modifie l'hérédité. Et donc, l'immense partie de l'hérédité est une hérédité génétique, mais on sait qu'il existe également une hérédité épigénétique, c'est-à-dire qui ne met pas en cause la séquence des gènes, qui n'est pas aussi stable que l'hérédité génétique, mais qui intervient dans beaucoup de phénomènes, et notamment qui intervient dans la prédisposition à certaines maladies. Le cancer est toujours une maladie génétique, cellulaire, des fois héréditaire, le plus souvent acquise, avec une caractéristique absolument particulière, est qu'il s'agit d'une maladie génétique cellulaire évolutive. C'est-à-dire que quand il y a apparition d'une cellule cancéreuse, ça équivaut à un phénomène génétique fondamental qui est celui à l'origine de l'évolution, c'est-à-dire que dans le cadre de la multitude de l'aléa des mutations, une mutation a entraîné au niveau d'une cellule d'un organisme une acquisition de propriétés proliférative et invasive, nouvelles, supérieures aux propriétés des cellules avoisinantes. Pour peu que les mécanismes de réparation de l'ADN n'aient pas réparé la mutation en cause, et pour peu que les systèmes de l'immunité n'aient pas rejeté la cellule cancérisée, alors c'est un cancer. Mais là où l'action des thérapeutes, des médecins, est très compliquée, c'est que non seulement au départ, l'apparition du cancer est toujours liée à une mutation génétique, ces mutations génétiques vont se succéder les unes après les autres. Et au fil de l'évolution de la maladie, les caractéristiques de la maladie vont changer. Elle va devenir plus invasive, elle va se mettre à devenir métastatique. La maladie va se mettre à résister aux traitements qui auparavant, dans un premier temps, ont été efficaces. En même temps que survient la première mutation, des fois d'ailleurs la première mutation est survenue pour cela, un état qui préexistait, le génome
est devenu instable, de telle sorte que les mutations sont plus fréquentes et elles vont facilement se succéder. Et elles vont permettre beaucoup plus de faire jouer ce phénomène de la sélection naturelle. Le médecin, le corps, développe contre la maladie cancéreuse tout plein d'armes, et bien du fait de cette hypermutabilité, la cellule cancéreuse s'y adapte très bien. On connaît un phénomène équivalent chez les bactéries qu'on appelle le système SOS. Lorsque des bactéries se trouvent dans un milieu qui n'est pas favorable, un système est activé qui crée une hypermutabilité du génome de la bactérie, de telle sorte que cela engendre une grande diversité biologique sur la base de laquelle pourra évidemment beaucoup plus facilement être sélectionnées les bactéries qui arrivent à s'en tirer dans ce milieu défavorable. L'autre élément de complexité sur lequel je voudrais insister, c'est l'importance de ce que l'on appelle le micro-environnement tumoral. Dans une tumeur solide, ça n'est pas vrai d'une cellule leucémique, encore que, mais dans une tumeur solide, une tumeur du poumon, une tumeur du pancréas, une tumeur du foie, quand vous regardez au microscope la tumeur, il y a certes les cellules cancéreuses, mais pour nourrir les cellules cancéreuses, il y a des vaisseaux, une microvascularisation qui est tumorale. Il y a un tissu de soutien qui forme en quelque sorte un squelette secrète et fabrique des fibres, un réseau comme un maillage. Ce sont les fibroblastes, ce sont d'autres cellules. Il y a différentes catégories de cellules immunitaires sur lesquelles on va compter, qu'on va essayer de réveiller pour traiter la tumeur. Et aujourd'hui, on sait que pour connaître bien l'histoire naturelle de la tumeur et adapter au mieux le traitement, et dans l'avenir, adapter le traitement au fil de l'évolution de la maladie. Il faut non seulement sans doute faire la carte d'identité génétique de la cellule tumorale, mais également du micro-environnement tumoral. Comment peut-on se servir de cette connaissance sur la complexité du phénomène tumoral, sur la complexité du micro-environnement tumoral, pour améliorer l'efficacité des traitements et donc le pronostic des cancers? Au temps zéro, de plus en plus, cela se fait, et c'est là où le terme de médecine personnalisée trouve toute sa valeur. Il faut établir la caractéristique, la signature cellulaire et moléculaire de la cellule tumorale. Quels sont les gènes qui sont mutés? Quels sont les mécanismes qui sont activés? En fonction de cela, quel type de médicament peut-on proposer? De plus en plus, il deviendra impossible, dans l'immense majorité des tumeurs, de traiter de manière optimale sans avoir cette information.